Yo yo, comment ça va? Salut tout le monde et bienvenue à notre nouveau défi dans lequel la crème glacée fera face à toutes les autres nourritures. Et c'est parti, allons-y! Les voilà nos super-héros. Kiera et Mike, avec leur énorme appétit, ne tiennent plus en place. Des harengs pour Mike. Pas aussi effrayant que ça, mais Kiera touche le gros lot. Un seau entier de crème glacée. Je ne sais pas si nos participants font la grimace à cause du poisson, mais quoi qu'il en soit, il faut finir. Sinon, ce seront des perdants pour l'éternité. Oui, la différence est évidente. Pour l'un d'eux, un petit truc sucré avec des cacahuètes, c'est un miracle laitier. Et pour l'autre, une mixture fumée et parfumée de tête et d'aileron. Mais tout le monde est en vie, personne n'est tombé malade et personne n'a vomi et c'est déjà une bonne chose. Et non, on ne jette pas les restes. Les restes sont bons, on a encore besoin d'eux pour le super final. On lève la cloche. Mike a un pavé entier de glace au chocolat. Qu'est-ce qu'il y a, Mike? Ton rêve est devenu réalité? Mais Kiera s'est vue donner une mixture terrible de quelque chose avec quelque chose. On va voir ça. C'est comme un kiwi mélangé avec du sucre et du wasabi. C'est pas si effrayant que ça en a l'air. Mike est content. Et Kiera est content. Et nous, on est vraiment contents de regarder ça. Si vous n'êtes pas convaincu que c'est vraiment sain, alors les vitamines feront le travail. Et voilà, personne ne peut aller plus loin. Désinfectez votre partenaire avec votre haleine saine, mettez le reste dans des bols spéciaux et faites une pause. Bientôt, nous aurons un nouveau test. Je crois qu'une nouvelle fournée intéressante les attend. Ça peut sembler trop dur et trop simple, mais c'est pour ça qu'on aime les bons défis. Mike a de la chance pour la deuxième fois. Il a de la glace aux fruits. Kiera, petite princesse, pourquoi est-ce qu'on dirait que tes yeux veulent sortir de la tête? Après tout, ce n'est que de la sauce de soja. Oui, ça a l'air un peu gâté, c'est un peu salé, mais ce n'est pas fatal, non? Maintenant, la bataille fait rage. C'est miam miam contre beurre, c'est pas bon. Et nous vous rappelons que si vous ne pouvez pas tout manger, nous vous rappelons que des récipients magiques vous attendent avec les restes à coteau. Mettez tout dedans. Le final en sera de plus en plus intéressant. Oui, on dirait que cette idée magique est encore une fois utilisée. C'est tellement intéressant, c'est un nouveau goût maintenant. Une nouvelle tambouille. Et enfin, Kiera a de la chance. Et Mike, il semble qu'il n'est pas particulièrement amateur de tomates marinées. Mais qui le lui demande? Et encore, un seau entier de bonheur. Et maintenant, regardez comment les visages de nos animaux affamés changent. Mmh.
d'une manière ou d'une autre. Sucré ou salé, vous êtes chassé avec beaucoup d'eau. Sinon, l'estomac pourrait, disons, commencer à marmonner. Oh. C'est que ça. On s'était pas mis d'accord comme ça. On n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est devenu drôle. On remerciera Mike pour sa mauvaise blague. Le récipient est de plus en plus grand maintenant. Qu'est-ce qu'il y a de choses dedans? Miss Kira et Mr. Mike sont prêts pour leur prochain repas. Ah non, ce n'est pas possible, on n'a pas le droit d'échanger. Sauf si l'autre est d'accord. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est un œuf dur? On va voir. Mais pour Kira, manger une paire de sauts de crème glacée, c'est pas un problème du tout. Ça, c'est trop horrible, des œufs crus. Qui a pu donc inventer ça? Les poules, Mike, c'est elles qui les ont fait. Et toi, tu croyais que c'était qui? Peut-être que ça sera plus facile à manger comme ça. Levons un verre à la santé de Mike. Je veux dire à ma santé, moi. Non, j'abandonne. Pas cette fois, non. Oui, ça n'a plus d'importance de ce que vous mettez dans ce bol maintenant. Ne pensez pas à la suite, tout simplement. Oui, et ne regardez pas ce qu'il y a dedans. N'oubliez pas de liker nos vidéos. Prenons un moment pour remercier nos victimes. Crème glacée contre champignons marinés. La réalité est toujours pire que la fiction. Mike savoure chaque seconde. Et pour Kira, chaque seconde est une éternité. Ferme ta bouche et mâche. La glace fait tout passer. Et comme c'est la tradition, vos restes sont dans le récipient magique avec tous les autres restes, les déchets nucléaires. Est-ce qu'on peut revenir dans le temps et pas du tout naître? Une souffrance partagée rassemble même les pires ennemis. Ouvrez les couvercles et regardez ce qui vous attend. Est-ce que le paradis aurait eu pitié de ces deux pauvres âmes damnées? Des biscuits, c'est comme un souffle d'air frais. C'est le meilleur bonus de bon comportement. Et toutes les tomates et champignons salés du monde ne pourraient être échangés contre un paquet de Cheetos. Amusez-vous tant que ça dure. Une petite pause ne pourrait faire de mal à personne dans cette bataille des goûts et cet acharnement à gagner.
Qu'est-ce qu'ils aiment manger? Voilà, les dernières mettes ont disparu. Alors, on continue. Et voilà l'apogée. La super finale pour survivre. Voici le moment de vérité. Qui vaut quoi en fait? Qui est un misérable perdant et qui sera le roi du monde? Oui, oui, remuez tout bien. Ou est-ce que c'est un cocktail que vous ne pourrez pas prendre? Arrêtez de grimacer, c'est pour la bonne cause, les soldats. Tout dans une tasse jusqu'à la dernière goutte. Et ce spectacle finira en feu d'artifice de la victoire. Mais qui va gagner? Nous allons le savoir tout de suite, très rapidement. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3! Parfait, bravo, nous sommes fiers de vous. Vous vous êtes dépassés, vous avez vaincu votre peur et maintenant plus rien ne pourra vous effrayer dans la vie. Regardez ces moments drôles ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne et serons toujours ensemble. N'est-ce pas merveilleux? À plus les amis!